En ce début octobre, sur la Côte d'Azur, sous la haute bienveillante figure du cuisinier des rois et roi des cuisiniers, vont se produire les 14e rencontres internationales des disciples escoffiers. Un congrès associatif assez hors norme, qui sur les bords de la Grande Bleue, dans plusieurs hôtels prestigieux de Nice et de Monaco, réunira 32 délégations rassemblant plus de 200 disciples en provenance de 21 pays situés sur les 5 continents. Ainsi, avec France Terre TV, demandez le programme. Le 7 octobre au matin, cela commencera par un événement dans l'événement, la finale internationale du concours Jeunes Talents Escoffiers, organisé cette année au sein du lycée hôtelier Paul Augier de Nice. Un concours et un congrès qui n'avait pu avoir lieu depuis 2 ans pour cause de pandémie et qui, lui aussi, est unique en son genre. Car le seul dans le monde à allier des épreuves sur la cuisine en même temps que sur le service, en sachant mettre à l'honneur des talents qui, à l'image des disciples eux-mêmes, ont depuis longtemps transcendé toutes les frontières. Mais aux Étoiles de Mougins, cet autre récent événement gastronomique sur la Côte d'Azur, où France Terre avait dépêché son meilleur reporter, votre serviteur, certains des grands chefs et meilleurs ouvriers de France qui étaient présents ne manquaient pas de s'interroger aussi sur une brûlante question d'actualité. Quelle peut être la bonne recette pour intéresser les jeunes au métier de la restauration et se donner les meilleures chances de faire naître ainsi les talents de demain? La seule possibilité de conserver un jeune, il faut lui amener de la technicité. Il faut lui amener du goût, de la technicité, faire confiance aussi. Il faut les lâcher de temps en temps, il faut les laisser un peu respirer, mais toujours en ayant un contrôle dessus. Et après, c'est un métier qui est quand même fantastique, parce qu'on a la possibilité de travailler dans plein de domaines différents. On peut travailler à l'étranger facilement, mais on revient toujours aux fondamentaux, il faut des bases. Des bases que les disciples escoffiers vont particulièrement valoriser dans le cadre de leur prochain concours, qui mettra à l'honneur de jeunes talents qui, peut-être bientôt, à l'instar de leur génial grand maître, sauront occuper à leur tour une place de choix pour dignement représenter la gastronomie française à l'international. À Mougins, il y avait aussi un invité d'honneur, le célèbre chef étoilé à de multiples reprises, Jacques Maximin, qualifié par ses pairs de chef-d'œuvre vivant. Un chef-d'œuvre qui, fort heureusement, n'est aujourd'hui pas en péril et qui était lui aussi présent à Mougins pour y promouvoir en personne les plus belles valeurs d'excellence de notre gastronomie et de nos terroirs. Car celui qui sera également le 7 octobre le président du jury du concours des jeunes talents escoffiers a lui aussi pleinement conscience de l'importance de la transmission aux jeunes des savoirs des anciens. La transmission, je vais vous dire tout de suite. La transmission, moi, je l'ai dans... C'est un gène chez moi. Parce que, bon, dans le temps, il fallait voler le métier. C'est-à-dire, il fallait copier, essayer de regarder un petit peu les cahiers du chef. Ah, aujourd'hui, mon ADN, à moi, personnellement, c'est-à-dire, on m'a tout donné, je dois transmettre. Bon, voilà. Au demeurant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai le devoir d'inciter ces jeunes à aller vers l'excellence. Donc, tu es obligé de transmettre. Moi, je donne tout, j'attends rien. Mais moi, je transmets, voilà. De l'importance de transmettre son savoir est aussi un credo que partage Michel Roth, ex-chef étoilé, notamment lorsqu'il dirigeait les cuisines du Ritz, d'ailleurs fondée en son temps par celui qui permit à Auguste Escoffier de conquérir le monde. C'est très très important la transmission vers les jeunes. Pourquoi? Parce que il faut toujours se dire que nous-mêmes on a été apprenti, on a eu des maîtres qui nous ont montré la voie, qui nous ont montré comment les bases de la cuisine, la technique, avoir aussi sa propre personnalité. Et maintenant c'est un devoir à nous de transmettre aux jeunes, de leur donner l'envie, de leur parler des produits, d'être avec eux, de les assister, mais aussi de les écouter, parce que ça c'est quelque chose de nouveau. Parce que, et aussi leur dire aussi qu'il ne faut pas qu'ils soient trop. Ils sont toujours un peu, ils vont un peu vite. Et ça c'est la vie d'aujourd'hui. Mais et pourquoi je dis ça? Parce que les concours font partie aussi de ce qui motive les jeunes. Et grâce au concours des jeunes talents, quand même le 14e, hein, donc ça veut dire que ça tient et qu'il y a toujours du beau monde. Et donc bien sûr, à travers ça, ils font leur concours avec un thème respectueux d'Auguste Escoffier, qui est notre maître. Et donc, et ensuite, bien sûr, il y a un podium. Mais le plus important, c'est l'envie et le goût de la cuisine. Voilà. La passion. La passion, elle vient comme ça, la passion. En fait, c'est comme un peu qui brûle et qui grandit au fil du temps. Et c'est à nous, ensemble, d'être simple, en toute humilité et de tout donner pour eux. Moi, j'ai démarré l'apprentissage en 62. À votre avis, qu'est-ce qui se passait?
On n'était pas des imbéciles. Il y avait un regard aussi sur les producteurs, car la qualité de la cuisine dépend du producteur. Donc moi, c'est devenu à la mode, une espèce de leitmotiv. Alors moi, je suis d'autant plus étonné, c'est que j'ai passé ma vie auprès... Quand j'étais à Nice, là, derrière moi, j'avais un bistrot. Bon, ma relation n'était pas avec un poissonnier, ma relation était avec le pêcheur. Quand j'ai démarré les courgettes fleurs, qu'on fait le tour du monde avec la famille Oda, bon, c'était pas, je passais pas par un revendeur, je passais du producteur direct. Donc maintenant, c'est devenu à la mode. Alors moi, je regarde, en fin de compte, ça correspond à l'aboutissement de ce que je me faisais de la relation producteur à cuisinier. Une relation qui sera concrètement mise en pratique par les disciples Escoffier, emmenés en fin d'après-midi, après le concours, par leur président Nicolas Salles au sein du Negresco, où d'ailleurs Jacques Maximin y avait jadis ses quartiers. Avec la chef Virginie Bassolot, elle aussi étoilée et mof, qui, en compagnie de plusieurs autres chefs disciples, proposera un exceptionnel menu de gala à plusieurs mains, pour ainsi mettre à l'honneur les meilleurs produits des producteurs partenaires de l'association. Puis le lendemain, 8 octobre, c'est à Monaco que l'ensemble des délégations des disciples Escoffier International se dirigeront, pour y être cette fois accueillis par un autre célèbre chef de la Côte d'Azur, Joël Garraud. Là, non loin du Rocher, pour notamment y révéler le palmarès du concours des jeunes talents, c'est au Méridien Beach Plaza que les disciples seront une nouvelle fois réunis en grande congrégation, comme ce fut le cas l'année dernière, dans le cadre du Dîner d'Épicure, où ils célébraient, aussi à Monaco, le 175e anniversaire de la naissance d'Auguste Escoffier. À cette occasion, s'y produit également à l'époque un grand événement pour ces disciples du cuisinier des rois et roi des cuisiniers, qui eurent alors l'honneur d'accueillir cette fois en leur sein un prince, lui aussi depuis longtemps ardent promoteur de la haute gastronomie française. L'après-midi enfin sera alors réservé à un déplacement vers Villeneuve-Loubet, très attendu par nombre de disciples, tout particulièrement ceux de l'étranger qui n'ont pas la chance de résider sur les bords de la French Riviera, pour ainsi visiter le village où naquit leur auguste maître et où s'y trouve désormais son musée ainsi que sa fondation, dirigée par son arrière-petit-fils, Michel Escoffier. Puisque, comme le dit un célèbre dicton populaire, « bon sang ne saurait mentir ».